Pour une fois que je fais un vlog en français en plus. Tu peux le faire combien de fois? Welcome in England. On est sur l'Eurostar et on est en route. Wow, I look horrible. Oui, c'est en français, mais je parle anglais. Je parle le franglais. C'est un vlog en franglais. On est sur l'Eurostar. L'Eurostar. En route pour Londres. On va faire un petit week-end ici. Je reste 3 jours ici. Mes parents vont rester quelques jours de plus. Mais pour des vacances de moi. Bref, je suis juste là quelques jours, mais je voulais juste faire un petit vlog en français. Ah voilà, en français tu parles qu'en anglais et en Angleterre tu parles qu'en français. C'est bien. Cachez l'erreur. Chers passagers, bienvenue à Londres Saint-Pancras International. Il est 2h24 heure locale. Veuillez prendre un moment pour vérifier que vous avez bien toutes vos affaires avec vous. Faites ça, c'est pour Jules. Never mind. Oui, j'avais pas vu que c'était des appartements. C'est bon. Écoute, on est plein centre de ce qu'on veut. Alors, nous sommes. C'est quoi le quartier? Mayfair. Nous sommes à Mayfair, c'est là où on a pris notre chambre. On n'arrête pas de perdre Martine. Car elle va voir quelque chose qu'elle veut absolument photographier pour son compte Instagram de une totalité de 15 followers. Bienvenue à Londres. Donc du coup on n'arrête pas de la perdre parce qu'à chaque fois elle voit une petite rue. Ah oh, c'est beau, elle dit, prévient personne. Donc du coup mon père et moi on commence à marcher, à marcher, à marcher. Un kilomètre plus tard, aucune idée où elle est partie. Mais le temps est magnifique. Voilà, on l'a perdu. On l'a perdu encore. Elle est partie là-bas. Est-ce que quelqu'un l'a vu partir? Bref. Pourquoi tu fais de là alors qu'il y a un trou au-dessus, genre? Ah. Je... Attends. Yeah, I'm good, thank you. Sorry. Je sais pas. Je me suis pris un matcha, bien sûr. Oh là là, j'ai une gorgée de sirop d'agave. Ça a trop de charme, j'aime trop cette ville.
je porte. C'est une robe de Musier Paris, je pense. Attendez. J'ai déjà porté sur Instagram. Je pense que je l'ai eu l'été dernier à New York. Et en fait, c'est une robe col roulé, très simple. Maxi, du coup, elle descend jusqu'aux chevilles, pardon. Mais par contre, le dos est juste incroyable. Je pense que je vais porter avec des bottes Jonac. Et après, on va manger. Je pense qu'on va manger un indien ce soir qui s'appelle Cricket. Et vu que j'adore la nourriture indienne, je me suis dit que ça serait une très très bonne idée. Donc j'ai trop hâte. Mais voilà le petit fit. À tout à l'heure. La mère d'une influenceuse. Ça a l'air trop bon. Et juste avant, on a pris des samosas aux légumes et des samosas à l'agneau. Ouais, c'est incroyable. En fait, on devait aller à un premier indien qui s'appelait, il s'appelle toujours d'ailleurs, Cricket. Et c'était full de chez full, il y avait une attente de 2 heures, donc du coup on pouvait absolument pas, on avait trop faim. Et on a trouvé un restaurant qui s'appelle Dashoom, que d'ailleurs un follower m'avait donné ce restaurant en recommandation, donc du coup on était obligé de venir goûter. C'est trop bon. Alors nous sortons. Ah! Oh! J'ai percé un bouton, je sais que je devrais pas, mais j'étais obligée. Nous sortons à peine de table et c'était trop bon. J'ai pas l'habitude, bon là c'était, je te regardais à droite au lieu d'à gauche et là c'est à gauche au lieu d'à droite. C'est compliqué, bref. On va rentrer parce qu'à mon avis, on a une journée assez intense demain. Beaucoup de exploring. Donc du coup on va rentrer se coucher. Dites-moi, vous êtes très bavard ce soir, hein? Je vous fais un petit outfit of the day. Attends, je suis zoomée. Ouais, je suis désolée. Je porte un blazer brownie Spain, un body un petit peu style Skims de Princess Polly, des jeans Levi's, une ceinture Zara, mes loafers Sandro, mes lunettes Céline. Maintenant nous sommes à Kensington Gardens, c'est trop joli. Oh pardon, c'est bien. Parce que ça existe aussi pour le brunch salé. En fait tu vois c'est des... Il est bon, mais ça n'a pas du tout le même goût. Mon latte, il a le goût du dîner d'hier soir. J'ai eu des œufs avec la feta, du coriandre et du kimchi. De la coriandre. De la coriandre et du kimchi. Du toast à l'avocat. Et monsieur nous a fait un caca nerveux car il savait pas que c'était un endroit de brunch. Du coup il s'est pris un muffin juste pour nous montrer à quel point ça le faisait chier. J'ai acheté sa petite bague, elle est trop belle. Trop cute. Sniper cam. Dis-moi, t'as tout un album Facebook là, c'est trop bien. Je
Super. On adore. Bah au moins elle a laissé sa petite marque. Comme ça si quelqu'un se demande qui a pris la photo. Mon premier vrai scone anglais au tea time. Oh, ce thé, il est incroyable. Maximum 2h moins le quart à la gare, parce que sinon on rate avec tout ce qu'il y a à faire. Hein. Après moi je m'en fous. Hein. Donc j'avertis demain matin quand on se lève, on se bouge. On a finalement trouvé un restaurant que d'ailleurs un follower m'avait recommandé. Et on est en train d'attendre pour une table. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Bancone. C'est un petit italien super mignon. On a commandé au bar et on s'est pris une focaccia. Et c'est bon au bar. Et des fried polenta chips. Des frites de polenta. Donc voilà. Prenez le take one. Vous remarquerez, je suis le seul bien élevé avec une fourchette. Cheers. Mais les frites du polenta sont très très bonnes. Yes, please. Keep it coming. We are the same family. I can tell. That's good. Thank you so much. Tu donnes un combien sur 10? Moi, pour mon repas, 8. Pour le leur, 5. Meuf, c'est tellement de ta life en fait. Mais je suggérerais pas. How do you say I wouldn't recommend it? Je ne recommanderais pas. Je ne recommanderais pas. Bref, j'ai deux potes qui sont ici que je connais de Miami. Donc mes parents ils vont rentrer à l'hôtel et moi je me suis commandé un petit capuch et je vais sortir avec elles les rejoindre. Un petit bar qui s'appelle Nightjar. Un cappuccino whisky. Y a pas de whisky, arrête papa. Menteuse. Alors on est mardi et c'est ma dernière journée à Londres. Ce petit week-end est terminé, je suis trop triste mais je dois rentrer à Paris pour le travail. J'ai quelques trucs importants ce soir à Paris. Donc du coup voilà, on va prendre le train cet après-midi. Mais je voulais d'abord vous montrer ce que je suis en train de porter aujourd'hui. J'ai ma nouvelle petite veste de Gany, trop trop mignonne, avec un t-shirt blanc que j'ai porté hier de Princess Polly hier soir. Après j'ai mes pantalons Levi's comme j'ai vu presque tout le voyage et des Vans scratch de Keith. Mes lunettes, Céline. On va partir prendre du matcha et faire quelques dernières visites de la ville. Tu penses qu'il y a Charlot? Windows and doors, they will see power of London. On the opposite side of the river, on our left, on the rivers with a crown, you would have been rowed downriver from Westminster by barge. Good touch, Dave.